Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bande Kou. Les réactions continuent. Mbalo Togoyo kaba politologue a Ekoluba. Mokoyo kaya ko expliquer aux coordinateurs ya politologue ya de la ya dynamique des politologues Togoyo kaina RDC Christian Moleka. Yepe ndenga expliquer ba nikoto lande très bien avec beaucoup d'attention. Tu as une émission pour toi apprendre, to comprendre ce qui se passe. Parce que ay jugé ma camionnette à fiscalité na mboka na biso boyibi makama coulage de recettes makambo zebe. Alors selon politologue Christian Moleka le biboy, elle paraît volontariste, elle présente une feuille de route assez large, mais le plus grand défi c'est comment on trouve des financements pour tous les projets qui ont déjà commencé dans les 145 territoires. C'est ce qu'a affirmé Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Au programme d'action du gouvernement que la première ministre Judith Suminwa a présenté mardi 11 juin à l'Assemblée nationale. Question est allée à parce que budget 92 milliards de dollars. Et ça, bandeko, défi moko ko sakanati, oyo soumina a ko présenté par ba Congolais. Donc, ce que j'ai là, au mona ki penda, a zana grand défi. Zo mona. Parce que 92 milliards ndenini a ko rassemble yango. Et ça, en francs congolais, c'est même un dollar. Hein? Donc, nous avons rassemblé Mbongo Oyo. Hein? Oyo Kaka. 92 milliards de dollars. Tout le monde est un politologue. Bon, on avance. Notre invité, c'est Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Il revient sur le programme d'action du gouvernement souminois présenté ce mardi à l'Assemblée nationale. Pour lui, la première ministre Judith Suminwa semble avoir la volonté en présentant une feuille de route assez large. Mais le plus grand problème, c'est comment mobiliser les moyens pour matérialiser son programme. Christian Moleka s'entretient avec Grace Hamzati. Christian Moleka, bonjour. Bonjour. Quelle lecture faites-vous de la présentation du programme d'action du gouvernement souminois qui intervient 2 mois après la nomination de la première ministre, mais aussi après de longues tractations? Après la longue nuit, le jour apparaît. Et donc, on constate qu'aujourd'hui, le premier ministre est venu avec toute son équipe présenter son programme du gouvernement. On constate également qu'on a perdu beaucoup plus de temps en tractation politique et qu'il a fallu même quelques conciliabules jusqu'aux dernières heures pour avoir un minimum de consensus nécessaire au vote d'aujourd'hui. Et donc, elle est là, elle présente son projet assez ambitieux, avec beaucoup de détails, un discours fleuve, et à la hauteur probablement des problèmes qui l'attendent. On verra dans le concret comment ce gouvernement réussira à mobiliser 92 milliards en 5 ans et en moyenne 18 milliards l'année. Dans son discours, dans la présentation de son programme, la première ministre reconnaît au moins les défis majeurs qui attendent son équipe. Mais vous pensez que ces programmes axés sur 6 piliers et réaliste avec cette idée de mobiliser 18 milliards de dollars par an? Le grand défi, c'est le financement. Elle paraît volontariste, elle présente une feuille de route assez large. Le grand défi, c'est comment on finance, comment on trouve le financement
pour tous les projets qui ont déjà commencé, donc 145 territoires, santé universelle à étendre, l'enseignement, la qualité de l'enseignement, ensuite tous les nouveaux projets qu'elle apporte, et ensuite comment on alloue avec efficacité les fonds. On a vu dans les passés que beaucoup de projets qui ont été lancés n'ont pas abouti parce que soit on a eu des scandales de détournement, de corruption, ainsi de suite, des coups de coulage de recettes. Comment elle fait pour allouer efficacement les ressources? Ce sont les grands défis qu'elle va rencontrer. Nous espérons qu'elle, avec son équipe, elle travaillera à mieux rationaliser les dépenses, à mieux financer des projets à impact réel, parce qu'il y a énormément de contraintes structurelles qu'elle va rencontrer, un déficit budgétaire, un endettement qui est en train de monter. Alors, ce gouvernement arrive au moment où le pays est menacé par la guerre, notamment dans sa partie est. Pensez-vous que c'est un défi qui sera vite relevé au regard du programme de ce gouvernement, parce que Madame le Premier ministre a affirmé l'engagement de son gouvernement à financer les forces armées de la RDC, à renforcer leur efficacité en recrutant des jeunes et en dégageant les inactifs. Qu'en pensez-vous? La guerre à l'Est, c'est une guerre longue, avec une économie de guerre structurée, avec des implications régionales et internationales, avec un volet diplomatique important et même un volet économique important. C'est une question complexe qui ne saura pas se résumer et se régler de manière assez rapide. Il faut s'inscrire dans la durée. Je crois qu'elle a probablement conscience lorsqu'elle parle d'un projet de pratiquement 10 ans pour reconstruire l'armée et qu'elle s'inscrit dans une dynamique de budget programme ou même de budget quinquennal. C'est un défi, c'est vrai, un défi énorme qui semble être la priorité de son action gouvernementale. On verra maintenant comment, dans l'allocation des ressources et dans la mobilisation diplomatique et à la fois politique, comment elle réussira à réguler cette insécurité qui s'inscrit dans la durée depuis pratiquement 30 ans. Et que faire pour mobiliser réellement ces budgets? Il faut déjà beaucoup de rigueur à l'intérieur, hein, beaucoup de rigueur pour arrêter toute forme de détournement, de coulage des recettes. Il faudrait augmenter la pression fiscale, élargir l'assiette fiscale, mettre en place beaucoup de réformes nécessaires, digitaliser là où il le faudra. Mais surtout, il faudra éduquer les Congolais à participer par le civisme fiscal. Nous avons une population qui participe moins à la mobilisation financière. Et ça demande de parler, de construire la confiance pour pousser les Congolais à mettre leur main dans la pâte à travers leur contribution financière. Après, il faudra aller vers l'international pour faire des emprunts. Et ça demande de mieux se construire également les conditions d'emprunt pour que nous ne retrouvions pas avec un endettement qui nous revienne pratiquement au niveau que nous avions en 2010. Quelles sont vos recommandations à ce nouveau gouvernement pour que les aspirations ou les attentes du peuple congolais soient réalisées? C'est par exemple la paix, la création d'emplois, comme elle-même l'a dit, l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, mais aussi la stabilité du taux d'échange. Le gouvernement doit s'appliquer à remettre sur pied notre appareil productif et donc à réindustrialiser. C'est vrai qu'on a un plan directeur qui a été adopté, il faut trouver les financements pour plus de 50 milliards de dollars. Le gouvernement doit travailler à relancer notre appareil productif, à diversifier l'économie en mettant 10% comme ils ont promis dans l'agriculture et ensuite à travailler structurellement pour ne pas avoir une économie qui dépend de l'extraversion, savoir importer tout et donc à produire ici localement. Ce sont des choses qui vont prendre du temps parce qu'ils vont demander des réformes structurelles qui vont s'inscrire en moyen long terme. Il faudra donc communiquer longuement pour que l'opinion reste en contact avec le gouvernement. Beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie, rester en contact permanent avec la société civile, la population pour expliquer pédagogiquement les réformes à mettre en place qui vont prendre du temps. Au-delà de toute bonne foi. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il faut beaucoup de rigueur à l'intérieur pour arrêter toute forme de détournement de fonds. Le coulage des recettes, il faudrait élargir l'assiette fiscale. Et c'est battement à Pessakabem pour le moment, la grande société. Mettre en place beaucoup de réformes nécessaires, digitaliser là où il faudra. Et surtout, il faudrait éduquer les Congolais à participer par civisme fiscal à la mobilisation financière. Parce que l'eau que j'ai pas en abyssin à nous. Civisme fiscal et à te voir taxé. Oui, puis pas de à comprendre, mais n'a pas su tout ça. La question a dit $1 et faut attraper $1. Qu'on a gouvernement aux hommes. Ne bateau à participer à la route. Bateau bazan et le côté. Et mon opé sa peuple faudité. Bazo vivre la difficulté. Mais ce qui peut bango va participer qu'on s'engage économie la vie. Si quoi le problème on est dans un ango, il faut penana lingete la main dans la main, il faut beaucoup de rigueur pour arrêter bas détournement ou ezo sa manambo kanabiso.
Et puis, à Sola, la justice, yemoko suminwa. Abenga ministre de la justice, a kanga kaba détourné, batte kabilo kona bango ba récupérer mbongo à l'État. Sono tanga, sono talibi omona ki azana problème. Donc, oyo kaka yako sakanati. Souka, ba détourné, nde bako souka. Bazong sa mbongo mboka. Yango, azana beja ba recette. Mais à question bazotuna ekouta wapi ndini akosangsa wambongo wana donc sozotala la première ministre azana grand boulot ba miyibe wana okanga ba ministre justice asa l'effort yo mon premier ministre vante na biro na lobatala kené yemo ka kero vante ba juge ba solula na ba magistrat mboko ekotele. Batu soba soba nga ba lua. Soba lua eza makasi. Justice ya makasi. Mboko yeko telema. Betangu justice zati. Ba minisi bazo iba. Ayibi keso ayibi lobe akobima. No. Eza foma zulu. Watu usale lukuti. 92 miliar oyu. Na ibi te soko akoko kisango koma. Bandeko. Et ça va caminer, n'est-ce pas? N'est-ce projet. Donc, aux hommes, on a peine que. Et ça, problème. Parce que. Azana dossier, il y a un et ça, franc congolais. En dollars. Il y a un macamon. Il y a un macamon. Il y a un macamon. Il y donde na kokisa yango alo bana mboka tokoma tika ngona bino bino bo continuer ko s'abonner bo partager au revoir à la prochaine.